plus citoyen de la République. Vous héritez des valeurs qui font l'identité et la force de notre nation. Des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. L'accueil dans notre ville n'est pas un vain mot, vous le savez bien, vous qui incarnez et le vivez au quotidien. La diversité est une chance si elle est une ouverture et non quand elle est un repli sur soi. L'écrivain François Aurillac a dit « Les démocrates font les démocraties, mais ce sont les citoyens qui font la République. » Eh bien, je n'ai qu'une chose à ajouter. Bienvenue dans la citoyenneté française et bienvenue dans la République. Merci. Très émue, très contente d'être parmi vous ce soir, d'être française. Donc c'est un honneur aujourd'hui de recevoir la nationalité française et j'espère à mon tour apporter une contribution à l'édifice de la nation française dans les années qui viennent. Ça va me permettre plus de participer à la vie en société française plus concrètement. Ben, je suis honoré, c'est un grand jour pour moi. Ça fait un petit moment déjà que j'attends. Bah aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Donc, c'est une fierté, sincèrement, je suis très 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 content et que je suis parmi vous dans un pays où c'est extraordinaire et je suis très 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 content. Et très fier d'être française. Je te remercie infiniment cette adoption. Ça fait des années que j'habite en France et je fais tout ma scolarité ici en France, je travaille ici, donc ça me fait énormément plaisir. Je suis vraiment très content d'être français. Enfin, c'est ce pays qui m'a adopté, qui m'a tant donné, c'est vraiment un achèvement pour moi.